possible. Faut arrêter de faire croire que n'importe qui rentre en politique et vient et devient. Faut arrêter 5 secondes. Enfin, même Macron, regardez les donateurs, ceux qui ont donné de l'argent pour Macron. Macron, il avait des personnes comme Alain Minc, etc. Ils ne sortent pas de nulle part. De faire croire que juste parce que tu veux faire de la politique, tu débarques. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, tu fais pas. Il faut des gens, il faut de l'argent, il faut des financements. Tu ne fais pas de la politique comme ça. C'est-à-dire qu'on a un logiciel. Moi, je m'étonne de la tradition révolutionnaire. Où est partie cette tradition révolutionnaire? Enfin, si Louis XVI, il y avait BFM TV, il serait contre la révolution. Il serait contre la prise de la Bastille. S'il y avait Louis XVI en direct sur BFM, il dirait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en train de saccager la Bastille? Tu valides la terreur? Ça n'a rien à voir. Non, si, bah si, on peut pas la révolution, on peut pas parler de la révolution française et oublier la période de la terreur. Mais non, mais la révolution française à la base, elle est populaire et elle est tournée. Non, elle s'arrête pas. Non, mais elle s'arrête pas à la prise de la Bastille. Non, oui, la mais ça continue derrière. Il y avait des communes, il y avait des parlements à Grenoble. Anas. Ouais, je sais que t'as envie de réécrire l'histoire ce matin. Il est super fort en histoire, mais que le bout qui l'intéresse, Anas, tu vois. Il lit une page sur trois, Anas, dans l'histoire de France. Tu vois, c'est plus facile. C'est que, excusez-moi, mais les grandes gueules. C'est pas aussi dans les grandes gueules, on va faire un cours d'histoire de une heure. C'est-à-dire qu'on a le droit, il faut discuter aussi sérieusement, on peut le prendre comme ça. Non, parce que Anas, c'est révisionniste. Non, c'est pas révisionniste. Il y avait des communes. Tu refais l'histoire à ton avantage. Mais écoute, il y a des communes. Mais si, c'est incroyable ça. C'est quoi la Révolution française? La Révolution française, la Révolution française, c'est aussi la terreur. La Révolution française, c'est aussi les massacres. Mais pourquoi? Donc, sincèrement, être nostalgique, c'est notre histoire et ça a bâti notre histoire. Mais on peut pas dire, ah ben, ça serait bien de refaire la Révolution française. Parce que la Révolution française, c'est aussi des massacres, c'est aussi des décapitations, c'est aussi de l'injustice. Donc, tu peux pas aujourd'hui être là nostalgique. Content qu'il y ait eu une révolution pour pouvoir avoir la société. Surtout que 2019 n'a rien à voir avec cette période-là. Mais je parle de tradition révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des gens qui mettent des palais à l'Italie 2, c'est une violence sans nom. Attends, à un moment donné, je sais pas, faut garder raison. On peut pas dire tradition révolutionnaire, c'est quand on a fait une révolution une fois. Quand tu as une tradition, c'est-à-dire que ça se répète tous les ans. On fait pas des révolutions tous les ans en France. La Commune de Paris. Mais ça a mené à quoi, honnêtement, Anas? On a fait la Révolution française, il y a eu quoi après? Il y a eu Napoléon Ier, tu trouves que c'est le plus populaire? Oui, mais pourquoi? C'est pour ça, parce que les révolutions ne vont pas jusqu'au bout du processus. Mais parce que ça ne tient pas. Mais pour revenir à cette manifestation-là, elle n'a rien apporté du tout. Juste 3 secondes sur la Révolution française. Enfin, à un moment donné, il y a une bourgeoisie, c'est ce qu'on appelait les nobles d'épée. C'est-à-dire qu'ils achetaient la possibilité d'être nobles d'épée. Et puis, il y avait les nobles de filiation, d'accord, qui considéraient que les nobles d'épée, c'est-à-dire les bourgeois, la bourgeoisie, le début du capitalisme, en fait, qui considéraient qu'ils n'avaient pas à les donner à un roi qui disait « Moi, c'est le Vox Dei, c'est moi la parole de Dieu, et vous m'écoutez, et vous me donnez l'argent. » Et c'est comme ça, en fait, les bourgeois ont utilisé la colère populaire des petits paysans, etc., pour pouvoir derrière remettre en place un système différent. C'est ça la Révolution française. Donc, en train de me dire que finalement, les privilèges, il y en a toujours eu alors. Comment? Ah oui, ils ont changé de main. Ils ont changé de main, ça a changé de manière. Merci.